Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter bah une nouvelle émission. Très bon week-end à chacun de vous. Je dis assez samedi 7 septembre. Eh bien, comme toujours, nous saluons tout si là qui est à l'étranger et si là qui en Haïti. Nous disons tiens, béret de Pamoli. Tenez bien, pas oublier l'école là presque arrivée. Grand pile monde cap checké. Eh bien, me dit au porte là, il ferme elle beaucoup l'ouvrir toujours. La première personne à avoir envoyé un petit don, c'est notre marraine Carmélite Masséna. Alors, dans ce sens, ça, je pense que, ou même qui est à l'étranger, même son crayon qu'a acheté, achetez-le. Même les noué, l'école, eh bien, bandit presque pas quitté au fonctionner. Bandit toute plémaille, presque pas quitté l'école, fonctionner dans le pays d'Haïti. Bandit politique, bandit exam, bref. Et, n'attend l'autre mounio, Harry J. Et, Gessin dit tout, qui écrit nous sous Telegram, non? Hier, ça fait un bon temps nous pas parler. Alors tout l'autre ami ou même qui est intéressé pour t'avoir un petit don pour l'école là, fais ça. Et Betty Bonheur, ça fait longtemps nous pas parler, mais je pense que ancienne lui même la pote bourre et tout. Eh bien, tout ami yo et souhaitait que nous même nous entrer dans la bataille là. Nous avons commencé avec une bonne nouvelle concernant Mirbalet. Moi fais une émission hier pour me parler de un citoyen que la police a arrêté au niveau de Belader. Dans le moment où je n'ai pas enregistré la deuxième émission, hein, ce citoyen il était au parquet de Mirbalet. Mais pas oublier, Belader, c'est une commune dans le département du centre, au plateau. Eh bien, Mirbalet, c'est bas plateau. Immédiatement, yo voyez citoyen ça à Mirbalet. Eh bien, grand pile moun nan commune ça qui te campé pour bay Boakale. Et est-ce que yo arrivé bay citoyen en Boakale? Oui. Parce que depuis arrivé Mirbalet, pep Mirbalet dit c'est Boakale ou apprend. Eh bien, la police pap dit oui. C'est comme si gen yon véritable synergie entre la population et policiers yo qui nan commune si là depuis yo vle yon moun, y apprend. Eh bien, Guilodora, deuxième chef gang Rivière Froide, dans la commune Carrefour, M. Mourin dans Mirbalet, après-midi, 6 septembre 2024, là, environ 24 heures après, arrestation dans Belader. Donc, l'individu ici, là, c'est Moun dans la population hein, qui prend la main, force l'audio dans le moment où il était dans le parquet Mirbalet pour capable répondre question commissaire gouvernement juridiction. Hein. Donc, photo M. Gaé, côté que peuple lui-même passé à l'action, yo mangé monsieur. Moi dis non bagay. Ouais des pon chef gang tombé, l'autre soldat yo vin un petit gens paraît vulnérable. Monsieur était dans base Rivière Froide, dans base Makati. Qui s'est passé? Dernièrement là gon opération pour dépatcher Makati. Est-ce que nous comprenons? En l'air fret. Et puis kounya là, c'est l'autre nèg qui a cherché jeté yo. Est-ce que nous comprenons? Ouais Jean Bagala est là. Fok tout nèg qui nan game ça entre dans logique démasquer bandi en commençant par bandi yo yo même. Comprenez bien oui? En commençant par bandi yo yo même par exemple. Sou prend le cas de Tigresse. Jonas démasqué monsieur et monsieur voye à l'attaquer Jonas dans Saint-Domingue. C'est Jonas qui deal. Et puis les monsieur continue à faire live ba ça. Chef la démasqué monsieur. Parce que bon, tout bagay, si yon kon ti l'appli, tout moun wè visage ti l'appli fait live, li paraît à visage li nu. Eh bien, ou même qui se l'autre chef gang, sou besoin fait tout, paraît à visage ou nu. Pas gen ba yon kap kache, te démasqué yo. Nou kon yon démasqué yo. Izo tap kache. Eh bien, kounya quel que soit nèg ki nan village la, ou pa ka nan kache visage. Si yon bandi ou yon, pa ka pe. Et ça, aussi simple que ça. Si c'est brandi ouye ou pas gen pour paix, eh bien, monsieur lui-même, par le fait que, pas gen moun qui connaît, eh bien, il comprend que, il t'a pral passé, il t'a pral tromper vigilance, et population, hein, et la police. Eh bien, c'est comme ça, monsieur prend Boakale au niveau de Mirbalet. Mirbalet pas pardonné ou. Est-ce qu'on comprend? Mirbalet pas pardonné ou. Mais gen cause que pral éclaté, oui. Rete là. N'a suivre, et non même, les causes ont éclaté. Nadi, RLT dit qu'on cause gain pour l'éclater. Eh bien,
a pas éclaté. C'est au niveau de Mirbalet concernant rivalité qui gagne entre dirigeants et nèg qui a fait politique. Bref, bon, les lobes elle a pété, n'a pas au courant. Gagne gros coup de balle qui éclaté au niveau de Gressier. Gagne Zam qui a chanté dans la commune Gressier matin samedi 7 septembre 2024 là. D'après information nous capable faire confiance, après yon la nuit terreur marquée par affrontement entre bandits armés et force l'audio, gagne gros coup de zam qui a chanté jusqu'à 8h nan matin. Dans Gressier, bandit ak la police nationale a frappé. Bandi yo même qui grignote quelques mètres vers position policier yo monte basio dans zone nan colline. D'après habitant yo, désormais bandi yo dressé yon barricade à quelques mètres rentré dans colline. Pas trop loin local coopérative qui est Mamev. Suite à qui yon attaque yo mené pendant semaine nan. Et avancé ça, bandi yo fait qui approche yo vers base force armée d'Haïti qui trouvait li nan Fleuroné entre Gressier ak Léogane. Situation si la contraint déjà plusieurs centaines de familles pour capable quitter zone qui tout près tan kou Flon ak Melier côté base brigade surveillance air protégé au Bessapier d'après information nous capable faire confiance. Entre-temps, il y a une information qui vient jeune moi là qui dit s'il vous plaît, moun k'ap sorti kafou pour matin là pas fréquenter zone rue l'alerte. Pour kounya, blende yo getan en les abonnés. Ça son personnage qui t'a passé pendant la marche, li prend un bal nan main. Pour le moment, l'EPA chita nan yon machine nan première avenue, pas gen aucun moun pour qui mène li l'hôpital. Mes amis, regardez comment pour être là et plamé en fan. Oh mon Dieu. Et kounya pas gen moun qui connaît si c'est bal bandi, si c'est bal la police. M'te dit la police sont ti causé hier dans l'émission pour me dire que c'est vrai ça qui gagne là il méritait pour son gros bataille qui fait même pas mais la police a bataille gaïa et ouais nous dans Port-au-Prince nous dans quoi des bouquets parce que hier nèg yo ouvert un pile coup de balle sous bandi on dans quoi des bouquets au point que grand pile côté bandi était bloqué la police débloqué yo mais nous pas venir tout à l'heure avec une émission là mon sans jour. C'est pour me dire que bagaille en pile mais la police timon. Bagaille vraiment en pile mais la police pendant nèg y a bataille en bas la ville, nèg yo fixé sous Gressier, nèg yo fixé sous quoi des bouquets. Hey, chaille la lou. Chaille la vraiment lou et moi me te conseiller la police pour me dire et la police l'état bon comme si on mettait poisson en zone pendant que on fait diversion sous l'autre zone. Bon, non pas connait genre la police a bataille mais quand même et gè fixation qui fait là sous plusieurs autres zones. Jimmy Cherizier qui fait une vidéo, oublié nèg yo là, yo prend TikTok là pour yo. OK? Barbecue fait qu'on est policier yo pas ka coller côté lié Delma 6 là. Li mandé pour transférer commissaire Miskaden Port-au-Prince pour louer s'il gagne grain. Li dit ministre éducation nationale là à Garikoni, si nan ghetto yo l'école pas fonctionner. L'école pas ka l'ouvri en ken l'autre côté. Avait dit si dans le ghetto, l'école pas fonctionner, l'école pas capable de fonctionner en ken l'autre côté. C'est Jimmy Cherizier alias Barbecue qui dit ça. Mais qui t'aime son bagage Jimmy Cherizier sous bagage Miskaden. Pas oublier, c'est dans la logique peuple là, vle moi faire émission jeune jodi. Même grand pile ti cause me capable dire sous approche ou fait concernant Miskaden. Bon, ou connaît, yo pas transférer Miskaden Port-au-Prince. Ou connaît bien, peuple ni pas quitter Miskaden vin Port-au-Prince. Ou connaît bien si yo retire Miskaden nan Nip, ça veut dire Nip la pral tombe. Et immédiatement Nip la tombe, ce même Miskaden, il va prendre du temps pour gérer Port-au-Prince. Parce que pas oublier, Nip la son corridor et Port-au-Prince son gros boulevard. L'étape vraiment difficile pour Miskaden fait travail la fait nan Nip la, nan Port-au-Prince parce que l'idée jachita nan Nip. Travail Miskaden a fait nan Nip la, son travail il fait depuis des mois et même des années. Kounya ou vle pou vin nan Port-au-Prince pou vin gouman avou. Non. L'autre commentaire am Cyril. Lè la République kon tout cause. Et puis lè sa, m'a dit non, mais comment t'aime de gen pou m'fè sou déclaration barbecue fè ya? Même pas dit parce que c'est pour peuple m'ap travail. Mais moun ki comprenne ap comprenne rapide vite que m'a obligé versatile pour population. Mais écoutez, Miskaden a fait une déclaration pour dire que l'pa gen redevance envers personne. Même les son nèg ki te mette l'an job là ou font bagay ou passe
nan ni plan la mare ou. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour me dire que gouvernement barbecue bal en pile défi. Bandi yo bay en pile défi. On a dit tête non que est-ce que nèg yo a continué prendre défi parce que bon non bagay monsieur. Pour tout ça qui gagne là et puis pour nèg yo camper à battre l'estomac yo, oh la police pas ka coller. Et yo bral fermer l'école. Tête chargée. Jimmy Cherizier. Et moi elle parler avant de commencer vidéo à gros que toujours dit ça m'a fait comme ça elle va faire vidéo m'a regarder et ça dans machine moi mien parfois il mon cap venir frapper vite là mais pour connait on équipe méchant nous à langue nous gain moun pas veut pendant m'a faire vidéo pour venir passer OK des vidéos pour visage de paraître et puis moi même ouais de temps en temps ouais m'a regarder pour moi est-ce que pas gain moun nous comprendre moi qui apparaît dans vidéo et si son baï tête nous menti. Côté Mian va coller sur moi, on va faire mes yap. OK? On va faire mes yap. Et tête nous n'a pas menti. Et journaliste tête en bas qui gagne ODVA, qui gagne chinois, qui gagne nèg marron et toutes ces bluffs y a ba nous. On va coller sur moi. Allemandez vous nous. OK? Et là nous on fait vidéo, m'a regardé, si ce qu'on a à droite comme si ça la veille comme ça la fait vidéo alto ben ouais, j'aime tout partout. Et première vidéo on fait pendant ma fait vidéo et puis on moun passer par derrière dans vidéo à moi pour moun nan passer téléphone ça a sonné là pendant ma fait vidéo et puis moi pour moun passer et puis qu'on a tout dit les vidéo et puis moi commencer faire et puis là m'a fait vidéo à me aider à voyager si c'est à cause ou ça m'a veillé comme ça et ça m'a veillé nous même nous ca coller sur moi et quoi derrière téléphone dans nous gros nèg et quoi derrière téléphone dans nous ca jouer mais quoi en pile dans nous passer gonné nous cacher quoi nos côté qui fait nous ca jouer nous gagne cran vrai nous gagne cran nous ca supporter chaille là et de me porter ça nous ca supporter malé l'autre bail qui puis sérieux et moi va parler des dossiers Muscadet parce que je dis hein c'est causé Muscadet et qui a fait actualité et retourner pour me parler des dossiers Muscadet et moi pense me faire deux vidéos déjà côté que moi t'ai expliqué et que quel témoin qu'il dit que ça qu'il était vivant ensemble et que nous pas supporter Muscadet. D'ailleurs, est-ce que nous pouvons une absurdité dans ça? Nous même monde qui gagne bon sens, nous belle absurde. On est capable de tuer un paquet de monde. Soit disant dire gangnoué et puis nous même et après les nous bandi, après les nous gang et puis nèg ça nous t'a pas supporter. Nous c'est monde qui logique, nous fait logique. Nous avons bon sens, nous expliquer mon bagaille pour qu'il aide mon comprendre. Et dans la vidéo précédente, nous avons expliqué ça déjà. Côté que nous avons dit, la vie en soi, c'est le pavé mosaïque. Le bien et le mal. Le noir et le blanc. Ça veut dire quoi? Nous sommes des gens qui vivent, nous faisons un pile bien, mais nous faisons un pile mal tout. Ok? Ça, c'est le pavé mosaïque. Muscadet, bon pour un paquet de monde. Pour ça, Muscadet, pas bon pour un paquet de monde. Mais moi-même, moi là pour me faire logique. Par exemple, Gombaga et Muscadet dit là, je vais le démentir. Muscadet dit, maman Christa est si tout. Maman Christa mouri depuis en 2002. Muscadet dit, papa Christa rete si tout. Papa Christa mouri depuis en 2015. Ça veut dire qui ça? Moun sa kap bay Muscadet information, gilwa goun moun li konnen, moun nan ka son te proche papa Chris, moun nan te ka proche maman Chris, moun nan ben pa même besoin konnen, et que li di Muscadet moun sa c'est maman Chris. Voilà que maman Chris mouri. Mais Muscadet, non, intervention m'tan de la fè non média. Bah on s'est live même temps de moi c'est maman c'est un petit chien sale Canada t'es là dedans c'est volé téléphone Canada mon sale que les mauvais non on quoi le t'es là dedans côté que Muscadet dit maman Chris l'a arrêté si tout maman Chris mourit maman Chris mourit depuis en 2002 papa Chris mourit en 2015 alors je vous montre Muscadet mon cap balantène yo c'est vieux antenne y'a balé. Et m'te expliqué ça dans une vidéo précédente toujours. N'importe moun qui est dans la zone, par exemple, qui Badelma, qui est dans la zone, qui habite dans la zone, et puis qui doit venir quitter la zone, et puis le final, qui est Miragouane,
et puis le petit jeune dans zone soit petit jeune dans tenant compte à moun la caille soit petit jeune dans tenant compte à vel et puis le petit jeune dans Miragouane et puis le courir al di moun Miragouane al di miscade moun mon soldat barbecue là oui les vini nous prend petit jeune dans autorité d'Elma 6 bon soldat barbecue comme ça bon bâton petit jeune même commencer bon vérité pour me battre de pour me vérité me pas tout. Oui, même ces soldats avec qui vrai et yo konn bon tel zam bâton ka fait moun déparler nous comme ça nous on bâton ka fait moun déparler les moun nan wè lan mo di moun nan bon vérité m pa tout yo on a ka courir parler mais ça me dit sous miscadé pas parce que m'a défendre miscadé d'ailleurs miscadé gon paquet de bagaille vrai pour le corriger suiv pour nous paquet moun capable applaudir miscadé qui est sur lui. Après Morvan, Teriel, moi-même, c'est des problèmes personnels avec les gars. Vous comprenez? Mais, ça m'arrête de mentir. Bon, chaque jour, les gars ont prié, bon Dieu, oui. Bon, même dans mes ça, mais si. Mais, puisque le commissaire gouvernement pour l'oppression, pour le vin prendre nous. Puisque le commissaire gouvernement pour l'oppression, soit pire à l'aise. Ou bien soit, ou bien six mots. Ou ap gen Udbo, ou ap gen Boyd, ou ap gen Utag, ou ap gen DCPJ avant, ou ap gen Kenya, ou ap gen l'armée d'Haïti. Mais qu'est-ce qu'a dit le commissaire pour le presse? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ça, il a dit nous avons résolu déjà. Nous ne voulons pas résoudre, et puis tout le monde est fret. Est-ce que nous avons des gaz à parler des négociations encore? Les gaz à camper sous des vieux fermes, ils attendent nous. Mais ça me dit bien, m'obligé voyager, me garder moi, on monde qui passe des robots machine en fao. Même toujours vivre pour ça, on pas arriver, mais c'est que me toujours virer caméra même. Ah, même pas les figu monde zone dans paraître nous dans la rue pour ne pas faire abus, pour ne pas faire méchanceté bonne lâche. Pendant ce temps nous prend côté mieux, nous pas venir prendre vrai. Dans dernier moment là, on pile lobby a fait pour Miskaden. Même ce grand paquet lobby qu'a fait pour gouvernement ça. Gouvernement ça pas fait même avec Ariel, nous papa. Presse traditionnelle là, il y a un bail dans le menu. Il y a un bail dans le presse traditionnelle là. Ouais, je suis obligé de lever le jeu pour me garder. Mon gars, on a dit pépé. Quand on paquette mesdames qui ont passé là, il faut que je vire la caméra pour ne pas apparaître. Il faut que je vire la caméra. On a dit, et pas là, il m'a vu. On a dit, ça, monsieur, il a vu comme ça. Presse traditionnelle là, il y a un bail dans le menu. Dans le moment, presse traditionnelle là, nous avons un bail dans le menu. Le gouvernement qu'on y a servi. Bah, tu peux pas que nous fait. Mes amis. Le gouvernement a tellement bien travaillé. Oh, le pays a commencé à prendre. En tout cas, je vais sous 8 minutes là. Je vais faire la première vidéo ça. Je vais faire une vidéo pour me parler. Peut-être dans la deuxième vidéo. Hein, parce que je sais que le week-end lié et time gros lié. Ok? Josai week-end, Josai jeudi 6 et time goglie. On va faire une deuxième vidéo pour me parler sur question l'école qui va l'ouvrir là. Parce que ça m'a dit avant, je vais faire l'autre vidéo, non? Et l'État haïtien, Premier ministre Gary Conille, ministre de l'Éducation nationale là, nous prenons prétexte, ghetto yo tap gouman entre yo, c'est ça qui fait nous pas de jam. Vin ouvert l'école dans le ghetto, l'école de l'État yo. Songez ça. Si dans le ghetto, vous avez l'école qui a fonctionné, vous n'avez pas de côté pour que l'école qui a fonctionné tout. Mais là, avec ce parti, vous ne pouvez pas faire rime. Vous avez changé de stratégie. Vous avez plein, vous avez changé de stratégie. Vous avez encore une fois pour contrecarrer ça, mais la stratégie a changé. Si dans le ghetto, l'école pas nous, le lycée Daniel Fiol, le lycée Pétion, et Tertilien Guilbault, République d'Argentine, République Venezuela, l'école Fab Geffroy qui sous grand rire, si côté gagne l'école l'État, l'État pas pris responsabilité pour l'ouvrir l'école nous. Eh bien, ok, n'a pas comment l'école la va le faire dans le pays. Parce que nous ne faisons pas nous à l'école tout. Bah quoi, les âmes nous allons quitter pour petit nous. Nous allons quitter les âmes pour petit nous, mais dans de bonnes conditions. Parce qu'ici, on peut examiner les âmes qui valent l'indépendance.
Et pas aucun Jésus, pas aucun bail qui te bat nous indépendance. C'est Azam nous. Et papa nous, Jean-Jacques Dessalines, qui bat nous indépendance nous. Encore une fois, mon papa ici, moi, mais nous en pile. Mon papa m'a dit tout nèg dans le pays, quel que soit bandit qui campe sous place publique, la bat l'estomac, qui a bail la police défi, moi-même des fois, moi qu'on perdit. M'perdit. Pourquoi ça m'perdit? Ouais, non, ça nous est là. Gen pile policier qui ont même pas respecté déontologie la police, devise la police. Et puis, nous avons ça. Comme si, ouais, ça nous la donne là, li pas bandit yo seulement. Li en question de politicien qui qu'on a voué zam nan ghetto. Li en question de politicien qui utilise nek sa yo pour faire sa yo vle. Et je ne j'en dis à nek yo vin campé en rébellion. On ti groupe nan yo. Parce que jusqu'à présent, gen nek la depuis le parler avec yo, c'est oui, boss mwen. Oui, amen. Amen. Même Jimmy Cherizier. Kounya la ou pral comprendre rapide, vite que, eh bien, bagay yo pas douce. Pendant opération a fait, la police dit le campé ten face pour frapper Negio. Jimmy Cherizier lui-même, ces vidéos l'a fait pour voyer menace, pour proférer menace à l'endroit de l'autorité pour dire l'école pas l'ouvrir. Si l'école pas ouvrir dans le ghetto, yo, et la police pas qu'à coller, l'école pas qu'à ouvrir dans le ghetto. Yo, parce que nous crasons le ghetto yo tout. Faut nous dire ça. Eh bien, mais comment lié? Donc pour tout le monde qui comprenne que le problème n'a pas le résoudre tout de suite, et nous mettons continuer à prendre patience. Nous mettons continuer à prendre patience. Dans tout le monde, c'est barbecue qui est capable de faire plus de défis. Et quand pas qu'être nèg nan vive ensemble, franchement, yo pas gen attitude barbecue. Gen nèg nan vive ensemble qui vraiment opté pour vivre ensemble. Nan. Mais posez tête aux questions, dit Jean barbecue parti là, est-ce que son nèg qui opté pour le vivre ensemble? Du coup, Jean yo prenez ça. Bref, le regarde barbecue qui parle en pile. L'obgade tout l'autre chef de gang yo qui dit que hey, la police poko ka kole. Eh bien, grand pile question pour poser tête tout pour dire qui est-ce qui mette non là. Est-ce que c'est bandi yo seulement? Non. Pas que les bandits. Mais grand pile l'autre monde qui mette non dans sa nouye. Nèg ka fait politique, nèg qui dépasse président, nèg n'ta capable dire qui dans secteur privé, yo tout complice. Et je ne j'en dis à qui ça n'a pas dit tête non. Ben. C'est l'État lui-même, c'est comme si la police a patogé non de l'eau sale et en bas de l'eau à charge à vieille bête. La police seulement gon freine nan mel. C'est comme ça bataille contre bandits est là, oui. On nous dit on dit vérité, mes amis. On dit on dit vérité. Bataille la police face à bandits, c'est comme si son est qui gon pique nan mel et puis qui entre non de l'eau sale, qui a pêché poisson. Li pas ouais même. Comprenez bien. Gede le fok nous dit bagay la jan li a tout. Mais quand même, la police a fait sale capable. Même dis non monsieur, si depuis des années, pas de gen policier qui était dans collé derrière ak bandi, eh bien dans ça nous est là, même là nous t'es là dans l'étape vite résoudre. Mais pour résoudre les journées jodi là, c'est très 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 difficile. OK, moi le font parler de visite Blinken dans pays d'Haïti. Monsieur ça qui t'aime dit non, nous on est là un diplomate vient dans pays d'Haïti. Monsieur c'est secrétaire d'État américain. Immédiatement diplomate là vini. Li parle, on essaye de causer avec l'État, mais li vin fait, on essaye de injonction. Li vin passer l'ordre. Ok? Comprenez bien ça, m'a dit non. Li vin passer l'ordre. Non, next émission, nous sommes capables de faire chance pour entendre Joël Vob de Famille Lavalas sous visite Anthony Blinken. Mais qui t'aime dit nous, parmi l'ordre monsieur passé, li menace pour sanctionner si la yo qui entrave transition politique là avec sécurité dans le pays. Est-ce que nous entendez? Quel que soit nèg qui campé en face, transition ça là, eh bien, les États-Unis a sanctionné. Seulement qui a campé en face, parce que m'a un visa, non. Non, même. Mais m'a raï, les nèg qui campé a dit, oh, sanction, sanction. Mais quand pas qu'être nèg ici depuis autant de sanctions, yo paix. Gen nèg qui a parlé dans cause muscadé en là. Quitte les États-Unis ta proposition dans cause muscadé, en demandé pour ta révoquer muscadé. Et puis il dit, nèg ça, oh, ferme bouche, non. Pour est-ce que nèg qui a parlé? Pourquoi si c'est pas seulement même qui parle? Gonzé de gros journalistes qui battent Koyo là dans cause Muscadé, cool les États-Unis ta proposition contre Muscadé, le dinegio. Hey, P, pas parler dans dossier ça, ou bien soit parler contre Muscadé. Et puis, on voit grand paquet, mais qui va dire, why? Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, bout de visa fait nèg yo chanter depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Les pays États-Unis voulaient faire marcher le dos, hey, m'a coupé visa. Mais monsieur, faut nous avoir courage pour les blancs qui la coupé visa.
pour nous t'a dit blanc, est-ce que c'est pas au prince? Est-ce que c'est Jérémy Mbaka aller? Prends visa là. Hein? Les gars, on quoi vous dit ça? Eh bien, toi a dit tout nèg qui campé pour entraver transition ça va venir zo grand nous. Entendez précision Gary Pierre Bolchal sous dossier ci là. Bonjour, bonjour, bonjour Mano, bonjour Darius et bonjour Davidson. Bonjour donc à toute l'équipe technique. Ce matin, nous avons fait une intervention pour nous capables de clarifier certaines rumeurs qui ont circulé dans le pays parce que nous autres, s'il vous plaît, baissez-le tout là, monsieur. Parce que nous-mêmes, merci beaucoup, parce que nous-mêmes, nous disons. Et que faut nous informer la population à la seconde, mais il faut une balle d'informations confirmées. Et dans ce cadre-là, quand tout le monde attend, David, on a dit ça tout à l'heure, qui ça Blinken pour le dire, mais nous-mêmes, et nous pas quoi c'est temps d'attendre, ça Blinken a dit. Nous sommes dans un pays profondément divisé, c'est un pays également où il y a des scandales à répétition, et fort de cette situation, parce qu'on crise sécuritaire depuis un certain nombre de temps, nous avons une autorité américaine, une grosse autorité américaine qui a patré, donc il y a une attente. Une attente, ça veut dire qu'il y a un message. Et je dois porter une petite précision. Le secrétaire d'État a passé moins de temps avec Gary Conny et le président et le coordonnateur Edgar Leblanc-Fils, et parce qu'il passait un pile temps avec les politiques. Donc, dans les super, nous devons comprendre, le message était surtout pour les politiciens. Et c'est dans ce cadre-là, l'un des fers de lance du 21 décembre, à la personne de Mme Michel, qui a participé dans la réunion, nous relayons le matin pour expliquer au pays ce qui a été dit. Ce n'est pas à nous de deviner, mais pour nous dire, mais ça a été dit. Nous avons des hommes qui ont été à cette rencontre. C'est pour ça que nous sommes fait le devoir d'inviter Maître André Michel. Maître André Michel, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous recevoir à notre émission Impasse. Bonjour Gary, bonjour Nixon, bonjour à toute l'équipe de Scoop FM, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices. Scoop. Maître André Michel, la question est simple. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre entre Anthony Blinken et les chefs des partis politiques? Et faut que moi dire, c'était une rencontre d'échange fructueux et c'était un moment de grande courtoisie internationale. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken, dans l'intervention qu'il fait dans la rencontre là, il insistait sur trois points. Il était capable de dire quatre points. Il insistait sur la question de sécurité. Il reconnaît la situation de sécurité au pays. Il promet que les États-Unis continuent à accompagner nous en matière de sécurité et aussi en matière humanitaire. D'ailleurs, il a annoncé une enveloppe de support à titre financier pour les questions humanitaires, d'insister sur les questions de sécurité, elle ne connaissait pas facile, mais il a continué à supporter nous, accompagner la police, accompagner la mission multinationale de soutien à la police là, et un environnement sécuritaire. Deuxième bagaille, d'insister sur lui, c'est la question des élections, la question du CEP. Pour lui-même, écoutez, il faut qu'on avance sur le terrain des élections, sur le terrain des élections avec un conseil électoral provisoire. C'est important et parce que c'est ça l'objectif final de ce processus. Et il dit, processus ça, les États-Unis ont investi en pile là-dedans. Et que quel que soit le monde qui campait en face processus là, il y a même, il y a pris responsabilité, yo, les sanctions, il n'y a pas lésiné sur eux. Quel que soit mon nom, qui a fait obstruction à processus-là, qui est constitué en espèce de distraction, mon qui a metté violence, etc., etc., et même, il a intervenu. Et dernier point de parler, tout de suite après, c'est les allégations de corruption. Et même, il prend ça très au sérieux. D'ailleurs, il a parlé d'allégations sérieuses de corruption. Et il dit que Bagaïssa,
faut qu'il évacue le plus vite possible, capable de dire même bagarre avec CARICOM, pour processus là capable avancer parce que le considérer comme une véritable distraction, comme un élément cap fait processus là retarder, lui insister sur lui et que cette affaire doit être évacuée le plus vite possible. Alors c'est ça pour et la déclaration, la position, je dirais même, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et donc c'est-à-dire M. Anthony Blinken et il pas mandé pour yo écarter du CEP les trois personnalités qui seraient impliquées dans le scandale de corruption. Anthony Blinken, son secrétaire d'État américain lié, il n'est pas venu en Haïti pour lui demander écarter trois conseillers présidentiels. Vous comprenez? Ça, c'est le job CARICOM. Vous comprenez? C'est CARICOM qui a traité le dossier ça. Pas oublié. Nous sommes en matière de relations internationales. Ils sont tous capables d'agir. Anthony Blinken, il exprime les préoccupations. Il dit qu'il faut aller évacuer le plus vite possible. Il faut le traiter le plus vite possible. Nous sommes capables de l'interprétation ouvrée. Ou gen doit dire pas mander ceci, pas mander cela, mais li gen doit mander ceci, mander cela. C'est pas ça qui est important. Le plus important c'est que pour lui-même, pareil ça faut évacuer, faut le traiter le plus vite possible et il fait allusion également à CARICOM qui gon travail à faire. Il faut que CARICOM saisi de questions, hein. CARICOM supposé et rencontrer et le plus vite possible avec mon CPT notamment monsieur Edgar Leblanc fils d'après ça bien comme information pendant bon, jeudi ou bien demain sous question ça et la CARICOM continue de discuter avec les trois secteurs qui monio qui épinglé dans ce grand scandale de corruption et nous-mêmes dans rencontre ça nous t'ai gagné le privilège de prendre la parole et pour nous dit premièrement et faut communauté internationale là continuer supporter Haïti continuer supporter Haïti en matière de sécurité et en matière humanitaire faut que continuer accélérer processus de déploiement force multinationale là supporter la police supporter MSS pour nous capables de c'est vrai américains commencer aider nous faut continuer aider nous. Nous insister également sur la nécessité d'avoir un gouvernement d'union nationale conformément au consensus de la Jamaïque, parce que c'est clair, ça nous gagne là comme gouvernement, c'est pas un gouvernement d'union nationale. Nous insister sur nécessité pour, eh bien, question allégation corruption, l'y évacuer le plus vite possible. Il faut moins dire que nous rencontrons Blinken à 3h et hier à 10h du matin, te gon délégation 21 décembre qui te gon rencontre avec CARICOM sous question droit messieurs et la délégation du 21 décembre a accepté le principe de la mise à l'écart de Louis Gérald Gilles et pour nous capable remplacer parce que pas de nous pas gain droit quitter dossier ça bloqué définitivement le conseil présidentiel nous pas qu'à quitter dossier ça li handicapé li les plombés processus transition, hein. Ça pas veut dire mon coupable, mon pas coupable, mais là, il y a un problème, c'est un élément de blocage, il faut l'enlever le plus vite possible, parce que si on va enlever le processus là, à discréditer, tout bagarre à craser, nous d'accord avec CARICOM sur la mise à l'écart, en attendant les résultats de l'enquête de l'ULCC et dans l'intervention, nous, hein, également, nous, non seulement nous prenons engagement, pour nous continuer à accompagner le processus là, même si nous-mêmes 21 décembre, nous gagnons réserve dans ce processus là, nous sommes la victime de ce processus politique, et me dit devant M. Blinken, nous sommes la victime politique de ce processus. D'accord? Mais le pays est plus important que tout ça, n'a pas accompagné le processus là. Et moi, insister en pile, et moi, mettre requête ça devant le secrétaire d'État américain, son requête particulière, pour lui aider nous joindre le retour de l'ancien premier ministre Ariel Henry en Haïti le plus vite possible. Et moi dis qu'Ariel Henry, c'est un homme d'État qui a servi son pays dans un contexte difficile. D'accord? Il y a des associés politiques, il y a des amis politiques, tant que moi-même, il me dit que ça, il me présente comme un allié, ancien premier ministre Ariel Henry. Et c'est comme ça que je fais politique. Il me dit qu'Ariel Henry a une famille, il y a des patients en Haïti. Et
tournée le plus vite possible en Haïti. Il a noté ma requête que nous demandons au département d'État américain de faciliter le plus vite possible le retour de l'ancien premier ministre Ariel Henry en Haïti. Maintenant, maître Michel, qui Jean nous pourra écarter Gérald Gilles du CPTA, même si nous demandons, même si nous voulons, mais qui mécanisme pour écarter Gérald Gilles, parce que bah quoi le mécanisme? Non, il y a un mécanisme. Il y a un mécanisme. La CARICOM est en train d'assurer le suivi. C'est-à-dire? La CARICOM est en train d'assurer le suivi. Pas besoin de plus. Ok, d'accord. Maintenant, suivi ça, c'est pour seulement Gérald Gilles ou bien les gouvernements? Moi, pas. Attendez. Écoutez, mais ça me connaît. Ils sont trois. Et je connais que aider et à sa tête Claude Joseph, tu as une rencontre avec CARICOM. Et aider a pris l'engagement d'écarter, à accepter le principe de la mise à l'écart de Smith Augustin en attendant les résultats de l'enquête. D'ailleurs, dans la rencontre nous avec CARICOM, il a parlé de position aider. Okay. Qui accepte le principe là. Moi, je connais que la délégation diversifiée du 21 décembre qui a rencontré CARICOM hier matin a également pris la décision d'écarter provisoirement le Gérald Gilles en attendant les résultats de l'enquête. Et qu'en a-t-il de Vertilaire? On n'a pas de nouvelles de Vertilaire de Petite Dessalines. Écoutez, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine de Petite Dessalines. Ça fait qu'on parle de aider et parce que CARICOM a parlé de aider. Je ne sais pas ça a fait dans la cuisine le 21 décembre. Mais ça, je suis capable de dire, à titre d'argument. Au niveau du conseil présidentiel, et CARICOM dit ça hier, sont éléments importants. Les sièges n'appartiennent pas aux 9 membres du CPT. Les sièges appartiennent aux parties prenantes. C'est très important. Le siège n'appartient pas à Fridjan. Le siège appartient à Mondana. Le siège n'appartient pas à Leslie Voltaire. Le siège appartient à Fanny Lavalas. Le siège n'appartient pas à Smith Augustin. Le siège appartient à Edé. Red Compromis Historique. Le siège n'appartient pas à Gérald Gilles. Le siège appartient à l'accord du 21 décembre. Ça veut dire, ce n'est pas nous qui avons un siège là, c'est nous-mêmes comme partie prenante qui avons un siège là. Et lorsque nos scandales de corruption qui risquent de plomber ensemble le processus là, et qu'on a des étrangers qui comprennent son menace pour le processus là, ou bien M. Blinken qui dit que ça, son menace, il faut l'évacuer le plus vite possible, ou bien CARICOM qui mando pour retirer représentant parce que on menace sous processus là, même si on est capable de pas démissionner, etc., etc., même pas un côté où on va le passer parce que le siège appartient au secteur, aux parties prenantes. Le siège n'est pas appartenu à et monde qui est dans CPTA. Alors, pour me répondre sur la question ça, en dernière fois, il faut me souligner à votre attention, la CARICOM, qui est impliqué dans le processus depuis le début et qui est en train de faire le suivi de la mise en œuvre du consensus du 11 mars, le suivi relatif et au remplacement de trois Mounsayo concernés qui est épinglé dans ce scandale de corruption. Si on conseille, on abaille tous les trois. On conseille, pas vraiment dès le péremptoirement. Si on conseille Mdabayo, moi pense qu'ils ont intérêt à présenter leur démission. Ok, autre question, M. Michel, passant à démission, je voulais tourner sur ça qui est extrêmement important pour nous comme question. Ou soit soulevé dans la deuxième thématique, comme tu as discuté avec moi, dans la question du Conseil électoral provisoire et des élections. C'est-à-dire, il semblerait qu'on évoquait des menaces claires, des sanctions au Capron contre tout le monde qui a intention de tenter de bloquer le processus électoral. Est-ce que c'est ça, on l'a dit? Monsieur Blinken l'a dit, et c'est en réunion publique, il y avait 9 leaders politiques, il y avait une délégation américaine qui l'accompagne de presse après. Il dit que les États-Unis sont très attachés à ce processus. Il y a porté ce processus-là. Il y a supporté.
quel soit monde qui campe en face processus là, qui t'en fait violence, qui t'en fait obstruction, n'en bloquer processus, yo même y a absévi. C'est lui qui l'a dit. C'est pas ma parole, c'est la parole de Monsieur Blinken. Et quoi? On vous croit, mais c'est une information importante. Ah oui, c'est très important. Et on parle avec un monde qui compte Blinken. Il dit, c'est rarement que je fais ça. Qui ont exprimé avec autant de détermination et de fou. Oui, non, qui parlait, qui fait type de. Qui parlait comme ça. Comme diplomate, hein, comme diplomate. C'est hein? Comme diplomate. Parce... Non, il n'y a pas une langue de bois, non. Il a été très. Monsieur Blinken a été très, très direct, très franc. Et comme dernière question, est-ce que vous pensez que visite Blinken, non, lui, et son visite qui est positive pour Haïti? Écoutez, il faut attendre les résultats. Mais ça, je suis capable de dire où. Fondamentalement, l'objectif de la visite de M. Blinken, c'était de recentrer la transition. Et dans mon intervention devant le secrétaire d'État américain, moi, je dis un bagage qui est important. Je dis un bagage qui est important, un bagage qui est important pour moi. Et je pense qu'il est important pour le processus. Là. Et là, il y a un gros problème. Qui embrasse trop mal étreint? Et le premier ministre Garry Conille doit faire très attention. Il embrasse trop de choses. Il est en réforme judiciaire, réforme de la diplomatie, il est en réforme administrative. Il n'a pas un mandat constitutionnel. Le premier ministre Garry Conille doit comprendre la nécessité de concentrer ses efforts sur l'essentiel. Et c'est pour quoi la rencontre avec M. Blinken, j'ai insisté sur la nécessité de revenir à l'esprit du consensus de la Jamaïque du 11 mars. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le gouvernement d'union nationale, la sécurité, les questions humanitaires, les élections. Voilà tout. C'est-à-dire que pas gain espace pour y parler de tout le barail ça. Parfois, on entend M. Kony qui a parlé, etc. Ils ont bon sujet. Mais s'il y a un conseil, que nous avons baillé monsieur Kony, parce que dans ce processus, son personnage important, qu'il revienne à l'esprit du consensus du 11 mars, qu'il concentre ses efforts sur l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup, Maître André Michel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, l'actualité continue, donc l'analyse continue également. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci. Et en ce sens, c'est Manuel Yves. Et Davidson, nous allons recevoir donc tout à l'heure le porte-parole de la primature. Et, mais je crois que ça qui doit intéresser nous là, c'est qu'en fait, il y a une mise en garde lancée par le secrétaire d'État à Nekiso qui veut faire des ordres. Il parlait sur seulement gang, il y a des également à Nek qui peut prendre canet et qui peut aller faire des ordres. Et selon Maître de Michel, les États-Unis peuvent sévir contre Nekiso. Il avait dit. Il y a arrêté, il y a pris sanction, etc. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à mes amis proches, pour vous abonner à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!